Nico Yara qui est derrière moi, qui est tombé malade ce matin. Perte d'appétit, forme de léthargie. Donc là, il va vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est un grand jour pour Francky et Putriayu, sa petite copine, puisqu'ils n'ont plus besoin d'être surveillés 24 heures sur 24 à côté de la clinique. Ils vont être envoyés aujourd'hui dans une cage au milieu de la forêt. Alors, Francky rentre en premier dans la volière. Il est un peu déboussolé, mais tant qu'il y a des bananes, tout va bien. C'est le moment pour moi de sortir parce qu'on va relâcher Putriayu à l'intérieur. J'ai plus ma place avec Francky. Alors ça peut paraître pas grand chose, on change simplement de place Putriayu et Francky, alors que c'est une étape extrêmement importante puisque ça marque le fait que Francky n'a plus besoin d'être surveillé 24 heures sur 24 par les vétérinaires. La cage est déjà un petit peu plus grande et surtout elle est isolée dans la forêt, donc voilà, le long processus de réhabilitation commence pour Francky en dehors de la clinique. Même s'il y a très peu de chances que Francky puisse être relâché à cause de son handicap. Mais c'est bien de le voir de plus en plus indépendant. Et puis Putriayu, c'est vraiment la femelle idéale. Même si c'est pas la même espèce, puisque Putriayu est un gibbon albibarbis, le gibbon à barbe blanche, et que Francky, lui, est un gibbon de Muller, le gibbon qu'on trouve notamment dans les montagnes centrales de Bornéo. Ça n'a pas beaucoup d'importance à cet âge-là. Le principal, c'est qu'ils s'entendent bien. Thank you.
ça fait 5 jours depuis que Boya A a été admis à la clinique. Et il se porte bien mieux. Ça se voit rien qu'à son comportement parce qu'il regarde l'équipe qui prépare les fruits. Donc il a faim. Donc c'est bon signe. Les analyses de sang ont révélé en fait qu'il avait la typhoïde. Et c'est vrai que ça se court. Moi je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que ça se court et ça peut facilement coûter la vie à un gibbon. Il a vraiment retrouvé un bon appétit et on ne pouvait pas espérer mieux. Pourtant, j'étais plutôt pessimiste et ça fait du bien de le voir comme ça. Je pense vraiment qu'il est tiré d'affaire et je pense que d'ici 2-3 jours, il va pouvoir enfin retrouver sa grande volière. Pour Boya A, ça se termine bien.